Well, everybody, while we wait for Jerome to join, I just wanted to give a brief introduction. Jerome Gallerand is a producer that it's very, very easy to have a soft spot for. He does not come from a long line of vignerons, but rather went to wine school in Beaune, studied under the legendary Alain Berguet, and in the last 25 years has absolutely skyrocketed to stardom. Become truly the darling of three Michelin-starred restaurants in Paris and beyond. And I'm just going to mute everybody one second. And, oops. How do I get back to? And of course, do unmute yourselves, presenters. And everyone else, do feel free to ask questions throughout the chat, through the chat. But so he's become an absolute darling throughout the culinary world. And even in the US here, there are some buyers for whom his wines are still a discovery. And it's always a wonderful discovery because they are just so stunning. They are complex without being, complex, but still welcoming and approachable. They're delightful but still serious, and across all price points, I just find there's this thread of happy energy, vibrancy, and balance and elegance that runs through these wines. So as you know, I just love them all so much, and Jerome himself is such a gentle person. So we are very much looking forward to having him on board here. Let me see here. We don't have him quite yet. Now we do. Jerome, welcome. All right. Hello. Hello and welcome. Thank you so much for joining us. I Thank you. just gave a very, very brief introduction. But I would like to hand it over now to Peter. I don't understand what Peter say. Peter, we can't hear you. Would you mind just unmuting? Il a pas fini, c'est ça? Bonjour Jérôme, comment vas-tu? Hello Peter, merci, ça va très bien. Très chaud. It's very warm there in Burgundy, he's saying. On a toute l'équipe de vérité ici avec nous. Ouais. Voilà, on va parler un peu du domaine. We have the whole team of Verity here, so we're going to speak a little bit about the domain, and comment tu as commencé dans les vins et comment ça t'a pris. C'est la question. Ok, j'ai commencé en 96 avec Alain Burguet. So he started in 1996 with Alain Burguet. Tu faisais quoi à l'époque? Quand j'étais chez Alain, j'étais entre deux postes, j'étais commercial. So he was a salesman, but in an entirely different business when he started doing harvests with Alain and the vinification with Alain Voilà. in Gevrey. Et ça t'a séduit alors? Pardon? Ça t'a séduit? Ah, complètement, oui. J'ai été entièrement séduit par l'ambiance de la vinification et les vendanges. So I was totally seduced by the ambiance that we have at vinification and the harvest. Les odeurs de vinification, surtout. Especially the aromas that happen in the vinification room. Mais t'étais dans une partie bien spéciale, toi, commerciale. T'étais fromager, c'est ça? À l'époque, ouais, je vendais du fromage auprès de la grande distribution. Mais c'était un job alimentaire, hein. C'était mon premier poste. Yeah, so but before getting the bug, the wine bug, he was selling cheese to supermarkets, but it was really, just a job to get money. That's not what really. J'avais 23 ans, Peter. He was 23 years old only. C'est vrai, maintenant t'en as 15. C'est ça. He said, "I was only 23," and I said, "Now you're 15." How did you go from doing the harvest and vinification at Alain's
to actually having the idea to do it for yourself as a vigneron. Qu'est-ce qui a fait que tu as pris le pas entre faire une vendange, une vinif chez Alain et de devenir vigneron? Bah, en fait, à partir du moment où j'ai vinifié chez Alain, je n'ai plus pensé qu'à faire du vin, quoi. Pour moi, il fallait que je travaille dans les vignes, que j'associe mon petit, mon expérience de commercial et puis le vin en Bourgogne, quoi. So for me, there was no question. Once I caught the bug, then I did it. I had to find a way to associate wine into my life, and this is the way I did it. Quelle était la taille de la première parcelle que tu as eue pour le domaine? La première parcelle que j'ai prise en location, c'est Les Retraits, un Comblanchien. So the first parcel that he actually got to work as a company, as a winery, was he rented it, and it's called Les Retraits in Promo, right next to Claude Lamaréchal. As a matter of fact, I'm going to bring up a map of where this is. Hang on. That's. Qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de mettre la carte. Ah. So now you see the map, and you see the Clos des Fourches here is the other name of Claude Lamaréchal. Les Retraits is the band right outside the wall, right outside the club. So it's. This, by the way, is the first Côte-de-Nuit appellation. This is still Côte-de-Nuit village, all the way through here, and anything south of here is Côte-de-Nuit village. Anything north here on this side of the slope is Premier Cru, Nuit Saint-Georges. So you see, it's really, really close to each other. And pour toi, Les Retraits, est-ce que ça aurait dû être classé en premier cru? Clairement, c'est le prolongement des premiers crus de Nuit Saint-Georges. La rupture, elle est administrative, hein. C'est parce que le mur du clos fait la séparation entre l'appellation Côte de Nuit Village et l'appellation Nuit Saint-Georges. Yeah, for him, yeah, of course, it's an administrative barrier frontier there, just because it was easy to draw the map at the wall, but it should be regarded higher. Now you see the green color here. This meant that under Dr. Laval, 1855, this area was considered to be the same quality, and then here it goes into yellow. And I think there's some pinkish up here. The colors are a little faded on this particular map, but it's an 1861 map that was done by the Association of Beaune Viticulture. But this would indicate that it's the same level of quality. Je disais que la couleur verte qui recouvre la première partie de la maréchale et aussi tous les retraits. Indiquerait qu'à l'époque, on considérait ce bloc de terroir comme étant d'équivalente qualité. Voilà. Non. En fait, j'ai posé la question à Jacques-Frédéric Munier, mon voisin. Et pour lui, clairement, la partie la plus qualitative du Clos des Fourches, du Clos de la Maréchale maintenant, c'est la partie qui est au sud du Clos, donc la partie qui touche les retraits. Pour lui, c'est vraiment la partie la plus qualitative, la plus fine. Le plus délicat, c'est là. Et c'est une vigne, quand je l'ai prise, cette vigne, Les Retraits, là, elle était quasiment à l'abandon. J'avais passé une annonce dans le bien public, tu sais, dans le journal de Côte d'Or, en disant que je cherchais une vieille vigne en appellation village sur la Côte de Nuit. Voilà, c'est comme ça que j'ai obtenu cette parcelle. So he was talking with Frédéric Munier, who owns Claude La Maréchale, which is this vineyard here called Claude des Fourches. And he was asking him, where is the more qualitative spot on your 9.5 hectare vineyard? And he said that it is clearly to the south. That's where I make the most exquisite and delicate wines. And it's right up against the wall. So his
he considers that to be the best part of the vineyard. And the way Giraud found this vineyard is quite quaint. It's lovely. He put an announcement in the local newspaper called the Bien Public, and he said that he was looking for a village level wine in the Côte de Nuit, and that's how he found Les Retraits. So it was the old ads in the paper newspaper. ça paraît irréel 18 ans après. Yeah, 18 years later, it's just crazy. I mean, you would never do that today. You couldn't find a vineyard to rent online or with an ad. On pourrait pas trouver une vigne aujourd'hui à négocier à travers une petite annonce sur le bien public ou en net sur l'internet. Je pense pas, non c'est. Et avec ça, j'ai pris donc il y avait deux ouvriers de Pastograin, deux ouvriers de Pinot Noir et une vigne en Chardonnay, des Bourgognes Chardonnay. So there was two tiny little plots of Pastograin. There was two tiny little plots of red Burgundy and a Chardonnay, tiny little plot of Chardonnay that came with that rental. Et dans les retraits, il y avait quatre ouvrés qui étaient plantés en aligoté. C'est mon grand regret, je les ai arrachés l'année suivante et j'ai replanté en pinot noir. Oh, and in the retrait, there was a little parcel that was planted in old aligoté, and well, he was young, he didn't know, and he just ripped it up to replant it in pinot noir, and he's really, really regretting that. Ouais, c'est des aligotés qui avaient été plantés en 47 ou 49, enfin fin des années 40, comme ça, qui avaient été replantés. So, that were planted in 47 and that had never been replanted. So I have a question for you from Verity. You have a light touch in the cellar and produce exceptionally transparent and characterful wines. How would you describe your philosophy of winemaking and what choices it translates into the vineyard and the cellar? Alors, pour la première question, ils disent que t'as un côté très transparent, très, mais qui garde beaucoup de caractère, et que les vins sont élégants. Comment est-ce que tu décrirais ta philosophie à la vinif et qu'est-ce que cela veut dire à la viticulture? Enfin, amène-nous de la viticulture à la vinif chez toi. En fait, oui, c'est normal de faire comme ça. Il faut partir de... Je pars de l'origine, c'est-à-dire du raisin. On bosse toute l'année pour avoir des raisins parfaitement équilibrés. Et ensuite, à la vinification, Il n'y a rien de spécial, il y a très peu de pigeage. L'idée, c'est une infusion, c'est que les vins se fassent tout seuls. On est juste là pour les accompagner. On accompagne le raisin à se transformer en vin. Mais il y a très peu d'intervention. Et les vins sont vinifiés suivant les millésimes, suivant les pH, suivant les acidités, mais la plupart du temps, sont vinifiés sans soufre. OK. So the first thing that probably everybody will tell you, but he insists on, is doing as good as a job as he possibly can in the vineyards, because without getting the right stuff, you're not going to be able to make a good wine. Second of all, when it gets to the winery, basically he tries to be there to accompany the wines, given the vintage and given the quality of the material that he's gotten, but not to over technically over deal with them. So it's very hands off. It's much more of an infusion. It's much more of a there's quasi no punch downs, a little bit of pump overs. You want to make sure that it doesn't go off like into volatile acidity or huge reduction. So you're there to make sure things don't go crazy, but you want to try to do as little as possible. And to let the wines show. Même si on en fait le moins possible, moi je trouve qu'un vigneron a toujours un style. Ouais.
Et c'est fait, le style provient pour moi pas exactement du côté technique, ça provient de la personnalité du vigneron. Est-ce que tu serais d'accord avec ce commentaire? En fait, ça reflète le type de vin que j'aime, c'est ça que tu veux dire. Oui, et ça reflète ta personnalité. La personnalité, peut-être. So I was saying to Jérôme that I find that it's not quite true that people do nothing, and there's always a stylistic personality that you can ascribe to the wines that have a lot more to do with the personality of the winemaker than the actual equipment that they're using, or the number of punch downs, or the number of pump overs, or whether they call it fusion or infusion. Objectif. On va prendre un exemple. You've got a very good example with this map right next to each other. You've got Les Retraits on one side, which could almost be considered the same vineyard as Clos des Fourches or La Maréchale. And you've got two like-minded vignerons, and the wines come out slightly different. And the wines, and you know, same plant material, it's the same date of plantation, it's the same way of working the, no, you're t'es organique, hein, Jérôme. Oui, on est alors certifié depuis l'année dernière. En fait, on a commencé le bio en 2012 et la biodynamie en novembre 2015. So there is one difference is that Jérôme is organic certified since 2012, and next year will be certified biodynamic, whereas Claude Damaréchal and Jacques-Philippe Meunier is du Trezonnais. But still, they both have differences in the way they express themselves. Je disais quand même, il y a quand même une différence entre les expressions des retraits et des Claude Lamaréchal qui n'a rien à voir avec qui n'a rien à voir ni avec les techniques employées ni avec le terroir, mais qui ont à voir avec la personnalité des vignerons. Certainement, je ne m'étais jamais fait cette réflexion, mais oui, c'est forcément, les vins reflètent un peu le vigneron, effectivement. Je ne sais pas comment on fait ça, je pense que c'est parce qu'on recherche le vin qu'on aime. Et le vin qu'on aime, c'est aussi, ça correspond aussi forcément à la personnalité. So Jérôme was saying that yes, probably it does reflect the personality, but we're trying to make the wines we like. So obviously we're going to nudge them in a certain direction. Alors ensuite on a une question. Bouchon, first person. Alors c'est un Brochon que tu as acheté ta première vigne. Oui, en fait, voilà, c'est ça. Ouais. Les premières vignes, c'était le Clos Damaréchal, et ensuite j'ai repris en partie un domaine sur Brochon. J'ai repris 2,5 hectares sur Brochon et Fissin en 2003. So in 2003, he took over a small domain of 2.5 hectares in Brochon and Fissin, which are to the north of Gevrey-Chambertin. Et C'est les Billards, la Justice, les Croisettes. C'est les vignes de Gevrey, plus les Côtes de Nuit de Brochon et les Fissins de Champ des Charmes. Alors, pourrais-tu nous parler de la différence entre les vignes qui se trouvent en limite de Brochon par rapport aux Côtes de Nuit village de Brochon? I'm asking the question, can you talk to the differences between the wines that are limit to Brochon, which is to the north of Gevrey-Chambertin, and half of the village is Côtes de Nuit village on the northern half, and half is Gevrey-Chambertin village. And he's well placed to be able to talk about this because he's got vines on either side. Okay. Pour ma part, moi, j'ai pour mes vignes à moi, hein, que ce soit la Justice, les Billards, on est sur des pieds de combe, sur des sols alluvionnaires très légers, assez peu argileux. Et pour les côtes du village, on est au contraire sur des sols beaucoup plus riches, plus limoneux, plus argileux, quoi. C'est pas tout à fait pareil. On n'est pas sur la même combe. Il y a la combe de Brochon, la combe de Gevrey, et
plus de terre et plus d'argile à Brochon dans les côtes de Neuvillage. D'accord. Let me put up another picture because I'm tired of that one. So there's a big difference between the geology, geology. J'ai perdu le meeting. Qu'est-ce que tu as perdu? I've lost the meeting. Peter, we still see you. Oh, good. You're still on. I don't see you. Hang on, I got too many things open. Cancel. Cancel. Okay, here, I want to share the screen. C'est quelle photo que vous voyez là? La cave. Ah, la cave, voilà, ok, d'accord. J'étais un peu perdu, je suis désolé. We were talking about the difference between Gilles Chambertin and Brochon. For the two vines that he has on Gilles Chambertin on the Brochon side, they're on the alluvial fan that comes out of the back canyon of Gilles Chambertin, and they're on alluvial material. And rolled rock and sandy soils, very little clay. However, Brochon, you're out of that alluvial fan and you're back up onto the what we call the Piedmont. And here we've got a lot more clay and limestone at play. So the wines, comment sont les vins au niveau puissance, gustativement, la différence entre ces deux vins? C'est trois vins, je veux dire, le Côte de Neuvillage, le Brochon et les deux Gevrais. Les deux Gevrais, c'est dans la persistance et dans la longueur en bouche, la grande différence. Côte de Neuvillage, on est plus argileux, on est sur des jolis raisins, mais... On n'a pas la persistance qu'on va retrouver dans les Billards à Gevrey ou dans la Justice. On est sur des vignes pourtant sur. Vas-y, à toi. Non, vas-y. Non, je dis pourtant on est sur des Brochon, c'est des vieilles vignes qui ont été plantées autour de dans les années 40, entre 40 et 50, entre 40 et 60. Il y a trois origines de vieilles vignes. Brochon are older vines planted between 40s and the 50s. The difference in geology here is that you've got more clay and limestone, and hence probably a little bit more power. Whereas the ones that have more sort of broken up limestone and less clay have more back palate and more length and more minerality to them. And it's a very clear difference once you taste them. Bon, voyons voir. Parle-nous un peu de la ligotée. Alors, la ligotée, donc pour info, moi, j'en ai pas sur le domaine. Ce n'est que des achats que je fais à droite, à gauche, chez des copains, grâce aux aligoteurs. Le bouseron, c'est un achat. La ligotée, ma cuvée de la ligotée classique, c'est aussi un achat. Et le cran, c'est un achat que je fais aussi chez un copain. So all the ligotés are purchased in grapes. The bouzeron, the regular one, and the cran are purchased grapes. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Mais qu'est-ce que tu en penses? Pour toi, c'est fun? C'est quoi? Moi, j'adore ce cépage qui est trop méconnu, qui est avec lequel on peut s'amuser, avec lequel on peut se faire plaisir. C'est des raisins qui restent frais très longtemps, qui résistent parfaitement aux conditions météorologiques qu'on rencontre maintenant, qui restent frais, qui restent tendus, qu'on ramasse une semaine plus tard. Ça convient bien à ce que
Ça convient bien à ma vision du blanc. C'est pareil, ils sont vinifiés sans soufre avec un pressurage direct vertical. D'accord. Élevage bois classique. 12 mois en bois. C'est 12 mois sous bois, oui. Avec un soutirage, on est dans l'été. D'accord. So he loves Aligoté. He loves the fact that it's almost forgotten. He loves the fact that it's just coming back up to the forefront. It's fun to work with. It's keeping freshness. It's perfect for this climatology. You pick them 1 week late. They still keep freshness. Lots of, obviously, they're very transparent for the terroir. And he's able to play around with a bunch of friends that have Aligoté and get them from different places to see how they fare differently. All of his vinification is done without sulfur, by the way, guys, until the end, where there's a little bit of sulfur added prior to bottling, right, for the last racking. That is goes for the Aligoté, but it also goes for the reds and the other whites. One last question that we forgot to ask. Une dernière question qu'on a oublié de demander. Ton utilisation de la rafle entière ou de la grappe entière. En rouge. Beaucoup, ouais, en rouge, ouais. Alors, ça, c'est un petit peu empirique. C'est ce que j'ai appris au fil du temps sur mes cuvées. Ça dépend beaucoup du matériel végétal, je trouve. Et je l'utilise rarement à 100%. J'en utilise entre minimum. Dans toutes les cuvées, il y a toujours un petit peu. Il y a toujours 10 à 20%. Et on monte à 50% pour certaines cuvées. Voilà. J'aime bien l'aromatique différente d'une fermentation intracellulaire. Ah, très bien expliqué. So I just asked Jérôme what... Why did he like using a whole cluster vinification? We forgot to talk about that in his reds. And there we go. And he said, well, it's empirical. It's never the same every year. And it depends on the conditions. But he definitely uses them because he likes the aromas that are developed by what we call intra-skin massive vinification. That means it's the start of a carbonic, basically. It's the start of a carbonic, and he likes the aromas that are done by that. Do you guys have any questions? Let me go back to my main screen and open up the chat room. Let me see. I don't see any yet through the chat, Pita, but I do have one question. Okay. Obviously, Jérôme's time with Alain Berguet was a long time ago, but I'm curious, what did he take from what he learned there with him, and in what ways did he take his own path and diverge? Ok. Bon, tu as commencé avec Alain Burguet et de quelle manière tu as gardé certaines choses qu'il t'a appris et de quelle manière tu t'en es différencié? De quelle manière je m'en suis différencié? On évolue, Alain aussi a évolué dans sa vinification, celle que j'ai connue moi il y a 25 ans, c'est pas celle qu'il a... C'est pas celle qu'il pratique aujourd'hui au domaine. Il y a beaucoup de choses qui changent. Au début, moi, j'ai vraiment vinifié comme Alain m'avait appris, m'avait montré. Et puis, j'ai fait évoluer mon style en goûtant à droite, à gauche, en découvrant mes cuvées, en découvrant mes vignes, et puis en prenant confiance en moi et en faisant un peu plus confiance à mes raisins. Voilà, c'est. J'ai cherché mon style. At first, he was vinifying like Alain had taught him because that was a natural thing to do. But then, by tasting with other people, he picked up other stuff, started doing tests on his own, kept an open mind, and it evolved. But even Alain's wines have evolved tremendously during this time. Et au niveau bois, tu utilises beaucoup de bois neuf? Tu utilises pas beaucoup de bois neuf?
Non, non, très très peu. Moi, alors j'utilise, j'achète tous les ans à peu près 20% de mon parc à fûts en fût neuf pour avoir des fûts qui tournent sur 5 ans. Et surtout, dans une cuvée, j'essaie de toujours avoir une proportion de la même proportion de fûts d'un vin, fûts de vin, fûts neuf, fûts de trois vins, et ainsi de suite. Tu comprends? Il faut que ce soit très équilibré de façon à ce que tous mes bois soient fondus. J'ai besoin du bois pour élever, mais pas pour l'aromatique, quoi. D'accord. So his philosophy on oak, use of oak is basically he's on a 5-year program of turning around the oak. So he buys about 20% of 20% every year, and between 10 and 20% depending on the vintage, obviously, of new oak, and integrates it into his park. And what he tries to do, he tries to have the same 1, 2, 3, 4, 5 wine. Program of casks for every single wine. Yeah, and he wants the his wood to be very very blended into the wine and not noticeable. He likes wood for the élevage because of the physical qualities that wood gives you and permits, but not for the taste. Any other questions? Oui, vas-y, vas-y. Alors, je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure avec la rencontre avec Alain, m'a permis de rencontrer aussi, de m'intéresser au vin et de rencontrer plein d'autres vignerons de générations différentes également. J'ai goûté beaucoup dans beaucoup de domaines, j'ai goûté beaucoup de choses pour me faire mon propre style et comprendre ce que j'aimais, ce que je recherchais. So he wanted to come back to Alain. His meeting with Alain and his friendship with Alain permitted him to taste at a lot of great places and speak to a lot of great winemakers and visit and it opened up the world of wine to him in such a way that he was able to make friendships and maybe make contacts and use those contacts to evolve on his own style. Voilà, il y a aussi Sylvain qui m'a fait rencontrer beaucoup de vignerons comme Thomas Boulet, comme Olivier Lamy, Laurent Fournier aussi qui m'a beaucoup très technique et qui m'a fait déguster beaucoup de choses. Enfin, voilà, il y a plein de rencontres, plein de personnes qui ont permis de me forger une opinion sur ce que je voulais, quoi. So some of the winemakers that come to mind that were able to help him along in his choices are Sylvain Bataille, Laurent Fournier, Olivier Lamy. This is it's because of these contacts and these friendships that he's able to evolve the way he would like to evolve. Thank you. Peter, I have one more question here from the audience, and that is, what is the overall quantity of Bourgogne Régional Rouge produced? And does he take a similar approach in the vines and cellar with the Bourgogne level wine? You mean, what is the overall quantity of Bourgogne Rouge produced by him? Yes, I think so. Voilà. Yes. Tu produis combien de Bourgogne Rouge? On fait, suivant les millésimes, mais entre 20 et 25 pièces par an. So between 20 and 25 barrels per year. That's times 300 if you want the number of bottles. And let's take a similar approach with the vines in the cellar with the Bourgogne wine. Yes. Et tu traites tes vignes Bourgogne Rouge de la même manière que les vignes que les autres, quoi. Exactement, oui, on peut pas demander à son équipe de faire une différence. Celle-là, on va laisser plus de raisins. Non, on les bourgeonne de la même manière, c'est traité pareil, hein, exactement. Yeah, the vines are treated exactly the same way in the vineyard as any other cru that he has. Au contraire, si on veut faire la différence avec des Bourgognes Pinot Noirs, il faut s'en occuper correctement. And if you want to make a difference with that level of wine, you have to take care of them properly. And I can attest that you can certainly taste the love and care that goes into the vines and the wines at every level. Yeah, once you start working on a quality basis, every question you ask yourself is, how am I going to make this wine better from A to Z, all the way up through the domain?
Je disais qu'une fois que tu as décidé de travailler qualitativement, tu te poses plutôt les questions de comment est-ce que je vais faire qualité partout, plutôt que de se focaliser sur les vignes qui portent, quoi. Bien sûr, oui. Merci, ils disent merci. So, any more questions? Are we in our time frame? Are we good? We're just a few minutes past the hour, but it breaks my heart to say goodbye, and I know we started a minute late, so if anyone has any last questions, do let us know. Well, thank you, Jérôme. Comment ça se passe à New York? On en a un petit peu parlé hier. Bah écoute, si tu veux, on va repasser sur un autre... Je t'envoie un autre zoominaire et on fera un débrief en ce moment. Parce que, oui, parce que nous, il faut qu'on vaque pour que le prochain puisse passer. Bye bye. Thank you very much, everybody. Merci.